This is freaky. Salut les gars, c'est Spain. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous faire un tuto. Ce sera le premier que je vais faire et c'est le premier d'une longue série, on va dire. Je vais en faire plusieurs sur plein de choses différentes. Là aujourd'hui, ça sera sur la purge des freins. Donc j'ai créé une panne, en gros, on a vidé le liquide de frein qu'il y avait dans cette moto, dans cette petite RFZ. C'est des freins hydrauliques à disque, du coup. Et je vais vous montrer comment on fait une purge de frein. C'est simple et puis c'est assez rapide quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de joints qui sont un peu morts ou quoi. Là en l'occurrence, c'est une moto qui est assez récente. Du coup, ça va bien se passer et voilà, c'est parti. Nouvelle montre poignée, j'ai de quoi nier. Et si en cas d'embrouillé, veulent remplir mon casier. Et cote à 24, Belvédère, pas de 20 tables. Le fit maintenant c'est 1000 balles, j'arrête de vous donner de la force. A savoir les gars, que sur les motos, il y a 3 types de freinage. Donc on a les freins à tambour, comme sur le Rocket par exemple. À la roue arrière, à l'avant il a le disque ou pas? Freinage à disque. Il y a les freins à tambour, donc comme sur le Rocket. Il y a les freins à câble, comme sur les vélos. Sur la plupart de tous les vélos, il y a le frein par câble et ça se fait aussi sur quelques scooters. Donc à câble, on a des tambours qui, oui, qui prennent qui la jambe. Voilà, exactement. Ou ouais, à disque aussi. Ouais, disque. Et comme sur cette moto que je vais vous montrer, le dernier freinage, c'est hydraulique. Donc c'est vraiment un système de liquide de frein, un système d'huile qui vient faire pression sur les pistons qui sont contre le disque, les pistons qui sont contre les plaquettes, qui viennent freiner sur le disque pour vous arrêter la roue, comme ceci. Je vais vous démonter les traits quand même pour vous montrer vraiment comment ça se passe et on verra tout ça. Voilà, donc les gars, pour démonter l'étrier, c'est simple, vous avez deux vis ici. Ici, c'est deux vis de 10. Et puis, il sort directement. Donc, là, on les enlève complètement. Voilà. Et l'étrier s'enlève. Quand l'étrier est sorti du disque, c'est mieux de ne pas freiner parce que sinon, en fait, ça vous pousse les pistons. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. On les voit un petit peu. On les voit un petit peu ici. Ouais. Et il y en a un deuxième là-bas. Donc ça vous pousse les pistons et puis après, faut réécarter les plaquettes pour les remettre sur le disque. C'est pas vraiment gênant, mais c'est mieux de pas freiner quand elle est sortie. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas, le schéma que suit le liquide de frein pour accéder jusqu'aux plaquettes? Alors, pour commencer, on a la poignée, donc on vient actionner la poignée. En fait, là je vais pas le faire parce que déjà il est sorti, voilà. Et de deux elle est déjà molle. Okay. Donc ça sert à rien. Donc là on a un piston dans ce conduit là, on a un piston qui vient pousser en fait le liquide qui se trouve dans ce réservoir. Là on a un réservoir de liquide de frein, le piston vient pousser le liquide ici, ça le met en pression dans toute cette gaine, cette durite. Ça vient ici, ça descend jusqu'à ici. Ou ici dans ce conduit là, on a un deuxième piston qui vient pousser, lui, les deux pistons contre les plaquettes. Et finalement, les plaquettes viennent se prendre autour du disque et viennent freiner le disque quand on actionne le frein directement. D'accord. Donc voilà, c'est assez logique, assez clair. Là, vous avez les deux plaquettes, du coup. Donc là, on a les garnitures. L'écartement qu'il y a ici, c'est le disque. C'est la largeur du disque. La largeur du disque. Donc là, on a les garnitures des plaquettes. Donc elles sont neuves, hein. Ouais. Elles sont nickel. Et je ferai un autre tuto pour remplacement plaquette, armoire arrière, etc. Bon, là, c'était juste pour vous montrer le schéma, le système avec les pistons à l'intérieur et tout. Là, pour faire la purge, c'est mieux d'avoir l'étrier en place sur la bécane. C'est beaucoup mieux. Donc, je vais le remettre. Bon, pour commencer là les gars, vous voyez, le frein quand je l'actionne, il n'y a aucune résistance. Il est vraiment mou, on dirait un embrayage. Quand je tourne la roue, ça ne freine pas du tout. Je freine en même temps, je freine à fond. Voilà. C'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a plus de liquide dedans, c'est vide et qu'il faut le purger. Donc on va commencer
par enlever le haut de ce bocal. Donc là, on enlève, on a deux petites vis. C'est le même modèle sur pratiquement toutes les motos. On a vraiment deux vis qui le tiennent. Normalement, c'est une en haut à droite, une en bas à gauche. Voilà, c'est au milieu. Faut faire attention. Faut faire vraiment attention, les vis. Elles se foirent très vite. Ouais, elles sont très fragiles. D'ailleurs, tu as une technique qui va se faire si jamais il y a des gens qui foirent leur tête de vis, pour les enlever. Si les gens foirent leur tête de vis, moi ce que je fais, c'est je prends un petit marteau, je prends un tournevis un peu plus gros, je tape, je mets vraiment une bonne empreinte dessus et puis bien forcer vers le bas, quoi. Ouais. Contre force. Et pour la sortir, quoi. Mais vraiment bien forcer pour la sortir. Après, c'était une autre technique. Moi, je fais avec un petit burin et un marteau. Un burin et un marteau, ouais. C'est si vraiment une forêt, quoi, parce que ça fait. Donc là, ouais. Il y a le haut du bocal, ouais. Donc le couvercle, avec un petit joint. Un joint en caoutchouc. Donc là, on se rend compte que le bocal est vide. Il n'y a plus de liquide de frein du tout. Il se peut que vous ayez un problème de frein, c'est-à-dire le même problème qu'on a aujourd'hui, le système hydraulique qui ne fonctionne plus, mais que vous avez quand même du liquide de frein dedans. Ça se peut que votre liquide de frein il soit oxydé, c'est-à-dire qu'il y ait un peu d'eau dedans. Si vous avez une moto qui ne vous a pas servi pendant longtemps, il se peut que le liquide s'oxyde un petit peu. Ou il se peut aussi qu'il y ait une bulle d'air à un moment donné qui soit créée et qui empêche le système hydraulique d'être parfaitement efficace, voilà. Et donc qui vous empêche de freiner. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de, quand on fait une purge comme ça, c'est de le vidanger entièrement. Ouais. C'est-à-dire, en fait, d'ouvrir la vis de purge qui est ici et de laisser le liquide, tout le liquide s'écouler. Mais mon ami Spain va vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais remettre du liquide de frein dans le bocal. Attends, excuse-moi, je te coupe. Tu mets quoi comme liquide là? Là, c'est de la liquide. Dot 4. Ah, de la Dot 4. De la okay. Dot 4. Parfait. Donc, tu disais. Donc, je disais, il faut mettre le bocal le plus droit possible. Pas qu'il soit trop penché comme ça ou quoi, parce que c'est vite la merde en fait avec le liquide. C'est une question de principe. D'accord. Voilà, je l'ai mis vraiment à ras bord. Ne pas hésiter si le réservoir est vide, de vraiment le remplir parce que ça descend assez vite. Ouais. Donc là, première étape. Première étape. On remet du liquide de frein. Voilà. Deuxième étape, les gars. On va passer sur l'étrier. À l'étrier, on va prendre une petite durite qu'on va venir fixer ici. Donc ici, c'est votre vis de purge. C'est la même sur pratiquement tous les étriers, vraiment. C'est tout le temps une vis comme ça où on peut y mettre une durite assez facilement pour éviter que ça coule partout. Donc là, les gars, on a rempli le bocal. Une fois qu'on a rempli le bocal, ce qui est bien, c'est de freiner un petit peu, d'actionner pour aider le liquide à bien se mettre en place, à rentrer un peu déjà dans la durite. Le top, c'est d'être deux pour faire cette manip. Parce qu'en fait, Dave, il va faire ça de son côté. T'inquiète pas. Il va faire ça de son côté. Et moi, comme ça, de mon côté, il faut qu'on soit vraiment synchro, que quand lui, il freine et il garde le frein actionné, j'ouvre cette vis-là, cette vis de purge. Comme ça, quand je vais l'ouvrir et qu'il garde le frein actionné, ça fait qu'en fait, bah, le liquide va descendre. Et une fois qu'il me dira stop, parce que le liquide en haut descend aussi dans le bocal, et bah moi, je referme vite la vis de purge avant qu'il y ait tout qui coule et que ça fasse re-rentrer de l'air par en haut. Donc voilà. Alors, vas-y. Dave, tu me dis quand c'est là, j'actionne. Tu peux y aller. Ok. Là, on voit que ça coule. Il y a de l'air aussi qui passe. Voilà. Donc, vas-y, referme. Je referme. C'est bon. Une fois que c'est fermé, moi, en haut, je peux pomper quelques fois. Je vérifie que mon niveau n'est pas tout en bas, hein, pour pas justement laisser passer de l'air. Ensuite, je réactionne à fond. Et là, Spain, tu peux réouvrir. C'est parti. Et en fait, il faut faire cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de bulles d'air qui sortent en bas et jusqu'à ce que la poignée ici, elle durcisse. Vas-y. C'est bon ? Ouais. Alors, je pompe encore. Le liquide, il descend beaucoup, quoi. Ouais, ça va. Ça va. Vas-y. Allez.
Et c'est reparti. On refait l'opération. Donc là, je vois que mon niveau, il commence à baisser un petit peu trop. Je vais en remettre. Bon, les gars, je me retrouve avec vous là. Je suis tout seul parce que Dave, il m'a quitté. Après, il dit que c'est moi qui pars à chaque fois. Bref. Merci à Sotet de me filmer. Hein. Il faut le dire, c'est ça. Là, on a bientôt fini. Je remets juste un petit peu de liquide en haut. Je vais remettre 2-3 petits coups de frein. Et puis là, toutes les bulles d'air, elles sont passées dans le circuit. Donc normalement, c'est tout bon. Bon, ça va peut-être être partout parce que j'ai personne pour me tenir le bocal. Hein. Là, j'ouvre pas. Hein. Donc je continue à mettre les coups de frein comme ça, avec le circuit fermé. Je vais ouvrir. Là, je vais mettre le bocal par là. Voilà. Il n'y a plus du tout d'air qui sort. Bah, normalement, ça freine. Ok. Donc là, on peut enlever notre durite. On peut remettre le petit capuchon. Et on va tester ça. Ça vous a l'air, ça t'aime ? Une fois, c'est purgé, les gars. On refait le niveau du liquide de frein. Donc dans le bocal, je vais vous montrer. Là vous avez le niveau en fait. Il faut juste se mettre en haut, laisser une toute petite bulle. Il ne faut pas que ça soit trop bas. Là il y a vraiment une trop grosse bulle. Il faut remettre un petit peu, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Il faut remettre un petit peu liquide. Voilà, ça peut être pas mal. Ça va bouger quand on va fermer. On remet ça, je fais que de renifler là, tellement je suis malade. Ah les gars, je suis malade et je fais quand même des vidéos pour vous, vous y croyez ça? Alors on revise ça. Faire attention pareil, hein. Autant pour visser que pour dévisser sur ces vis là, c'est vraiment fragile. Faut bien forcer, bien être dans l'empreinte, pas foirer la vis. Ouais, pas mal. Bon. Test. Nickel. Voilà. Et ben c'est parfait. Donc là le frein avant il est purgé, c'est tout bon, il est nickel. Si jamais vous voulez purger votre frein arrière, c'est le même principe, vraiment. Donc là je reste approché. Vous avez votre vis de purge qui se trouve ici. Donc sur tous les étriers c'est pareil, hein. C'est vraiment la même que devant, une vis de 8. Voilà, où vous pouvez mettre votre durite pour que ça soit plus simple. Vous avez votre système hydraulique qui est là. Les deux petites vis qui sont au-dessus du bocal, et puis là vous avez votre niveau. Donc voilà. Après, c'est le même principe, vous freinez, vous mettez du liquide de refroidissement, votre durite, vous ouvrez, et ainsi de suite. Tout comme. C'est quoi, du liquide de refroidissement? Je suis un grand malade. Votre liquide de frein. Tout à l'heure, on a coupé une scène parce que Dave il disait votre embrayage. Putain, je suis en... Votre liquide de frein, les gars. Mettez pas le liquide de refroidissement là-dedans parce que ça va pas faire le même résultat. Donc voilà. Et c'est tout bon pour cette vidéo, donc voilà. Ça sera le premier épisode, vraiment des tutos, comme je vous ai dit en début de vidéo. Il y en aura plein d'autres qui seront vraiment précis sur chaque système. Je vais essayer de faire des épisodes, comment dire, qui se retrouvent un peu, que ce soit sur les scooters ou sur les motos. Comme ça, une purge, ça peut être autant sur un scooter qu'une moto, qu'un quad, que n'importe quoi. Donc je vais essayer de faire ça, je vais essayer de trouver des thèmes assez cool, quoi. Et puis on verra. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.